les amis, aujourd'hui je vais faire affronter ma meilleure amie et ma copine sur des questions me concernant. À chaque fois qu'elles auront une bonne réponse, elles auront le droit de me faire souffrir. Bonjour et bienvenue dans cette annonce sponsorisée. Aujourd'hui, l'OP est assez particulière puisque je vais vous régaler. Avec la marque Alienware, on a organisé un giga concours. Il va y avoir 4 gagnants et vous avez jusqu'au 19 août pour participer. Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Bah, je vais vous le dire. Le premier lot, c'est juste un PC fixe Aurora. Avec sa carte RTX 3080, c'est le grand classique de la marque Alienware. Il est pour l'un d'entre vous. Mais c'est pas tout! Quand je vous dis qu'on vous régale, il y a un PC portable Alienware pour le deuxième gagnant. Et le troisième gagnant, il a quoi? Eh ben, il a un autre PC portable! Il y a deux PC portables à faire gagner. Et pour le quatrième gagnant, petit lot consolation, une clé pour le jeu Remnant 2. Voilà, ça fait plaisir, c'est un quatrième lot. Et là, vous allez me dire, mais comment on peut participer? Vous allez peut-être me le dire différemment, mais l'idée est là. Il y a un lien dans la description de la vidéo qui va vous amener sur un site. Sur ce site, il y a plusieurs actions disponibles. Et plus vous allez faire ces actions, plus vous allez gagner de points et plus vous pourrez gagner au concours. Par exemple, dans ces actions, il y a follow Alienware sur Twitter, s'abonner à ma chaîne YouTube, me suivre sur Instagram, trouver une forme de vie extraterrestre. Ça vous rapporte 1000 points. Bref, vous n'êtes absolument pas obligé de faire toutes les actions, mais plus vous en ferez et plus vous aurez de chance. Et d'ailleurs, une action qui rapporte pas mal de points, il y a un mot caché dans cette vidéo. Si vous le trouvez et que vous le mettez sur le site, oh, vous gagnez quelques points supplémentaires, quoi. À vous de le trouver. Je vous laisse avec la vidéo, bonne chance à tous. Le concours se termine le 19 août à minuit. Adeline, Flavie, vous allez avoir des questions, ça va être des questions de rapidité. Voilà des questions sur moi. La première qui appuie sur le buzzer et qui répond... Je suis le maillon faible. Il n'y a pas eu de question. Ah bon. La première qui appuie et qui a une bonne réponse, elle a le droit de prendre un ballon et de tirer sur la cible. La cible, elle est touchée. Je tombe dans une eau à moins 15 là. Je suis toujours en hypothermie, je sens plus mes pieds. Vous êtes prête? Ouais, vas-y. Pas moi. Première question. Quel était son surnom étant enfant? Trou de balle. Moi, c'était gratuit, pardon. Ça, ma mère m'appelait comme ça. Trou de balle, jamais ta table. Maxou ou bonhomme? Non, je peux vous donner la première lettre. Commence par un T. Titi. Pas loin, mais bon. Titoun. Titoun. Pourquoi Titoun, ça n'a rien à voir avec Maxime? Pourquoi Titoun? Papa, tu peux me le dire en commentaire, s'il te plaît, je sais pas. Est-ce que j'ai pas une tête à m'appeler Titoun? Non. Quand il t'énerve, pense à quand il t'énerve. Qui ramache pas son linge sale, qui fait pas la vaisselle. Ah oh, putain. Quelle mention a-t-il eu au bac? Assez bien. Eh non. Bien. Comment tu me sous-estimes? J'ai peur, j'ai pas envie. Moi aussi j'ai peur. Mais moi je veux qu'il tombe. Alors tu vas tirer, putain. Mais Flavie. Mais attends, j'ai touché. Touché. Il avait pas assez de force. Quoi? T'allais dire quoi? Que j'avais pas de force? Non, regarde ce bibi. Gros bibi. Damn les gens. Bah en vrai, elle a des bibis. Hein. Combien de temps met-il à se coiffer chaque matin? Moi, je mets une heure. Une heure, bah, du soir. Tu sais, ça dépend quand t'es vénère. J'ai déjà assisté à des scènes, ça allait pas. Fallait les laver, les relaver, les relaver. Nanana, c'était séché, les relaver. Il y avait passé la crème, l'huile et tout. 15 minutes. Bah, il faut buzzer. 15 minutes. Alors là, si je l'ai pas... Mais non, mais regardez, ça bouge. J'ai le seum. Je fais de l'hypertension, je fais de la tachycardie. Ah, on est à deux doigts, là, de faire. On est à deux doigts, ouais. Vous êtes contre, vous êtes pas en équipe, là, là-bas. Que fait-il quand il est stressé? Se ronge les ongles. Non, ça aurait pu. Il pleure. C'est wesh. Il mange? Non. Tu te renfermes sur toi-même et tu parles à personne. Ouais, mais c'est bon là. Non, je me tiens pas là, mais c'est gaffe. Hein. Quoi? Tu regardes des animés? Oh, ah, j'ai hésité. Attends, je me mouille la nuque, attends. Ah putain. Putain. Catastrophe. Ah, c'est bon, ça va. Combien Maxime a-t-il de tatouages? Deux. Et raté. Il est toujours là. Hein. Putain, c'est vrai que t'en as trois. Mais tu sais que moi j'oublie tout le temps aussi. Et je me fais engueuler par les abonnés. Est-ce que vous vous souvenez du prénom de la première mascotte de sa chaîne YouTube? Piglou. Bien vu. Mais je m'en fous, il va dans l'eau. Moi, ça, j'en ai rien à foutre, il va souffrir. Mais je suis capable de le rater quand même. Je t'aime. Allez, mais tire-moi sur ce truc là. Est-ce que vous vous souvenez de son premier job? Son premier et son seul, il a bossé à Leclerc. Mais du jugement, mais c'est ça. Ok, ça suffit maintenant. Alors, attends, je me mouille la nuque. Alors là, si j'arrive pas... Je me mouille la nuque. Combien de temps passe-t-il environ par jour sur TikTok? Je dirais une heure. C'est ça? Une heure, c'est tout? On va prendre de l'élan et viser. Putain, mais Flavie, t'es nulle là! J'ai envie de tout casser! À chaque lancée, je suis en panique! Hein. Là, j'avais mis grave la force! Elle est gros loser!
Elle m'arrive avec une patate dans la cible. J'ai trop le seum là. Je suis nulle. Mais pourtant, alors en termes de questions, je suis hyper étonné parce que vous me connaissez bien. Bah heureusement, non. Quel est le prénom de son père? Stéphane. Ouais, j'avais en première. Ok, j'y retourne. Mais pourquoi t'es énervé? C'est un défi personnel. Mais pourquoi tu prends autant d'élan? Mais putain! Fais chier, je suis à deux doigts. Les amis, puisqu'elles n'ont pas réussi à toucher la cible, d'être nul. Il va y avoir une mort subite. On est vraiment des merdes. On est trop nuls. Oh, c'est dingue, elle est aussi nulle. J'en ai marre. Est-ce que c'est pas un peu la honte en plus? C'est nous, en fait. Est-ce qu'on n'est pas vraiment humiliés là? Je te marque le travail. Après, la tour, elles arriveront jamais à toucher la cible. Hein. Je suis désolée. Ça va? Bah, top là. Ah, c'est Adeline qui a gagné. Oh, c'est dommage. C'était très jouissif à regarder. Ah, c'est froid. On passe à l'épreuve 2. Deuxième épreuve, épreuve de complicité. On a tous les trois une ardoise. Il va y avoir des questions qui vont être posées toujours sur moi. Et on va devoir tous les trois avoir la même réponse sur nos ardoises. S'il n'y en a qu'une qui a une réponse, elle a un point. Si les deux ont la bonne réponse, j'ai une sanction. Un truc qui me tombe dessus, je sais pas ce que c'est, j'ai pas envie de le savoir. Si Sora devait être un prof à l'école, quelle matière enseignerait-il? Wow. Ah, moi je serais prof de philo et tout là, gros prof. Imagine-moi devant un tableau avec une petite règle genre « Oh, Dimitri, c'est quoi la réponse ?» Je serais quelle matière? Ouais, je pense sport, ça me correspond bien, je pense. J'ai mis histoire. Moi aussi j'ai mis histoire. Ah ouais? Ouais, c'est ma matière préférée à l'école, histoire. Oh, j'ai de la chance. Sous-côté la matière histoire. Mais genre t'aimais bien l'histoire. J'adorais, j'ai eu 20 sur 20 au bac blanc d'histoire. Pourquoi tu mens? Et comment ça je mens? Non, en plus tu me l'avais dit, j'avais complètement oublié. Alors. Voilà, attends, bien sûr. Et c'était sur quel sujet? Allez, là, une prochaine question là. Quel adjectif décrit le mieux Maxime? Ah, j'hésite avec tellement de trucs là. Ça pourrait être musclé, ça pourrait être divin, un surhomme peut-être. Bah, je sais pas, je vais mettre ça, je pense. J'espère que vous avez trouvé un truc qui me correspond, hein. Vous avez mis quoi les filles, Adeline? J'ai mis drôle. Et toi Flavie? Dépressif. Top. Ouais, je suis dépressif frère. Moins de bruit, y'a des gens à côté hein. Oh ça va, dépressif, comment ça dépressif? Vous avez dans vos mains des petites feuilles avec des emojis. Vous devez choisir celui que Maxime utilise le plus. Ok, je l'ai. Vous avez mis quoi? J'ai mis celui qui rigole mais qui pleure en même temps parce qu'il est content. Moi j'ai mis celui qui pleure parce qu'il t'arrive tout le temps des emmerdes. Attends, c'est les deux mêmes? Non. Oh putain, j'ai trop peur. T'as mis quoi toi? Moi j'ai mis celui qui pleure, j'ai mis celui-là genre. Ah bah voilà! T'as mis celui-là aussi? Moi j'ai mis lui. Bah oui, mais j'y ai pensé en premier mais j'ai... Attends, t'as mis lequel montre? Bah j'ai mis lui, j'ai trouvé plus mignon. Mais putain, on s'en fout qu'il soit mignon. Vous devrez choisir le super pouvoir que Maxime aimerait le plus avoir. En vrai, si elle lance, je suis dégoûté. Et je vous jure, c'est une pression de dingue d'avoir un saut au-dessus de soi, vraiment, ça fait peur, hein. Téléporter. Ah, j'ai mis voler. Ah, mais je hésite avec voler. Bah, parce que c'est stylé de voler. Genre voler, genre j'ai dans un carrefour, hop, je pète à une PS5, toi t'as capté. Non, mec, tu sais pourquoi tu peux pas, ça va te décoiffer. Elle a raison, je choisis de téléporter. Qu'est-ce qu'il mangerait jusqu'à la fin de ses jours? Je suis mort. Bah en fait j'ai esquivé tout le saut, y'a tout qui est tombé derrière. Bah attends c'est dégueulasse, non c'est mort. Et genre c'est ma faute. Bah non mais bah, allez. Hé, hey, sur moi. Non. Ah mais je pensais pas que c'était autant. Ah l'angoisse. Ah ça me dégue. Pourquoi ça pue le liquide vaisselle? C'est quoi le truc? C'est du liquide vaisselle. D'accord. C'est mélangé à quoi? Dentifrice. Top, yes, allez cool. On continue ou... Selon vous, quel autre métier aurait fait Maxime s'il n'était pas youtubeur? Je sais pas si elles vont avoir. Moi je sais. C'est vrai? Bah tout. Et Adeline, tu sais? Non. Quoi? Comment ça moi je sais? Ah si, bien sûr. Bah oui. C'est chaud, c'est dans toutes les deux là. Flavie, t'as dit quoi? J'ai écrit coiffeur. Adeline? Assistant social. Et non, c'est coiffeur. Mais quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, il a fait ses études. Il arrête pas de dire. Oh, si j'avais pas été youtubeur, j'aurais été coiffeur. Son obsession pour les cheveux. Non, mais j'ai fait mes études dans le social. Mais si actuellement la YouTube marche plus, franchement, je pense que je kifferais être coiffeur. Laisse-le déjà gérer ses problèmes au lieu de ceux des gens. Hein. Oui, c'est bon là, frère. Je suis dépressif. J'ai mes problèmes. Ça va, oui. Je suis mort. Quelle est l'expérience dans sa vie que Maxime aimerait revivre? Il faut écrire tout un roman là. Moi, j'ai écrit trois mots. Hein? Non, j'ai pas fini. Bah, je vous écrivais une disserte ou. C'est une expérience en soi, donc je pense que c'est bon. Vous avez mis quoi? Voyage au Japon. Et toi, Adeline? Plage de Fukuoka. Ah, bah j'ai mis redécouvrir le Japon, ouais. Bah c'est ça. Bon, en vrai, les deux, elles sont sur le Japon, hein. Ça fonctionne ou pas? Allez, ça fonctionne. Comment ça, allez, ça fonctionne? Allez, j'en ai marre. Mais ok, bon, bah d'accord, ok. J'ai l'impression de me faire un peu ken dans l'histoire, mais tranquille, quoi. Attends, vraiment, là, des paillettes de merde, là?
Écoutez-moi bien, je vais retrouver des paillettes jusqu'à la fin de mon existence. Tes cheveux, ça va être une horreur. Arrête, j'en ai beaucoup dans les cheveux là. Mais oui. Tu sais qu'on rentre avec ma voiture. Oh mon dieu! Écoutez-moi bien, on va m'enterrer quand j'aurai 74 ans, quand j'aurai encore des paillettes. Tu vas faire caca paillettes, c'est sûr que t'en as inhalé. Oh, ça c'est stylé ça. Fais ça avec tes cheveux. Oh non! Tu sais que les cheveux, non vraiment, pour la dégueule, les cheveux, c'est horrible. Gars, regarde mes genoux. On voit plus ma peau. Gars, j'ai bronzé des paillettes, regarde. T'es vrai? Dernière épreuve, épreuve de confiance, deux pâtisseries. Une est piégée, l'autre non. Ensuite, deux portes, une est piégée, l'autre non. Et je vais devoir choisir quoi, à qui je peux faire confiance. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire laquelle est piégée, comme ça on n'en parle plus et je prends l'autre et voilà. Non, c'est celle d'Adeline. C'est celle d'Adeline qui est piégée? Oui. Pourquoi? Non, c'est celle de Flavie. Bah pourquoi? Parce que je te le dis. Ah, c'est ton seul argument? Bah oui. Et toi? Bah moi je t'ai fait tomber tout à l'heure, donc j'ai pas envie que tu ressouffres, du coup j'ai pris la. Bah n'importe piégée. Quoi, c'est n'importe quoi. Ah, c'est vrai que c'est un bon argument. Moi j'aime pas quand tu souffres, mais... ça me fait pas rire, j'aime pas et tout. Oh, bon argument. Oui, alors que toi t'aimes que je souffre? C'est vrai. Bah top alors, bah je choisis le sien, c'est bon. En plus, tu sais que c'est ma pâtisserie préférée, hein. C'est des glands, j'adore les glands. Let's go. Je tape un vrai croc? Bah oui. Ok. C'était la piégée. C'était Basco. Je suis désolée. C'est pour gagner. Parce que j'avais des points de retard. T'as j'étais obligée. Contre nous, c'est fini. Pardon. Tiens. Oh, la mine. Tiens. Tu veux pas la mienne? C'est de la crème pâtissière. T'es intolérante au lactose. Mais tu vas mourir, Flavie. Putain, moi aussi, c'est piégé pour moi. Regarde comment la géchard de fou son tabasco. Après, c'est mélangé à la crème pâtissière, tu vois. Toi, je te fais plus confiance, c'est fini, toi. Toi, par contre. Mange-le, hein, tant pis. J'ai toujours dit que je pouvais avoir confiance en toi. Bon, voilà. Parle pas à moi. On passe aux portes? Allez-y. Alors, du coup, j'ai la porte verte d'Adeline, la porte violette de choisis Flavie. La mienne. Tu m'agresses là, c'est une menace. Non, j'ai dit le verbe de choisir, j'ai pas dit prends la mienne. Ok. Je te laisse quand même un choix, mais je t'invite à prendre la mienne. Tu me le dis avec un ton hyper macabre. Mais non. Ok. Bien. Très bien. Et toi? Ah, pas trois fois quand même. C'est quoi toi, je te fais même pas confiance, c'est moi, je choisis Flavie, c'est bon. T'as fait confiance en moi? Mais bien sûr que oui, j'ai plus confiance en toi, tu m'as fait tomber, tu m'as fait bouffer un truc avec du tabasco. Mais c'était pour gagner mes points là, c'est bon, j'ai mes points, non, je pense. Non, mais t'as pas assez de points, j'ai gagné de toute façon. J'ai plus de points que toi en plus. Je pense qu'elle a plus de points que toi en effet. Très déçu. Je rentre dans cette porte là. Fais-moi plaisir, je choisis ma porte. Je rentre dans cette porte là. En plus, violet, c'est joli, vert, je suis moins fan. Je prends la porte violette. Et confiance en moi. Je rentre dedans? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Je vous invite à visionner ce qu'il y a dessus. Attends, c'était quoi l'autre porte? C'était un lit douillet avec des coussins! Bah oui, fallait me croire! Ah bah ouais! Tu m'as pas cru? Ah bah ouais! En même temps, tu m'as fait que t'as fait que me trahir pendant toute la vidéo. Oui, mais j'aurais fini c'est en ça que toi, c'est ça que notre couple, il est pour toi? De la trahison? De la trahison. De la piégée. Je me souviens de cette vidéo. Mais moi, j'ai même pas souvenir de cette vidéo. Mais le pire, c'est que moi, je m'en souviens. Comme quoi, je te connais trop, quoi. Je l'ai vue, moi. Oui, tu l'as vue. Mais tu voulais, je me souviens, tu voulais pas qu'elle soit publique. Tu te souviens, ça y est? Mais bon, je m'en rappelle. Oh non, pas ça. Pas devant Adeline. C'est ce que c'est que le début, en fait. Non, tu la connais pas, cette vidéo. Elle est vraiment très drôle. Ah, mais je croyais qu'il y avait que ça. Non. C'est la fin de la vidéo, qui a gagné? Qui me connaît le mieux? Bah c'est Flavie. Je suis nue, j'ai gagné et je repars. Bah oui mais elle te connaît depuis plus longtemps. C'est vrai. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon les amis, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne, le petit pouce bleu, nouvelle vidéo dimanche prochain à 14h14, le Insta d'Adeline est dans la description, la chaîne de Flavie... Bah elle est plus là. Dans la description aussi, et des bisous, salut.